Les gens, c'est Pofi, aujourd'hui en compagnie de Dopido, on se retrouve sur un escape game viking proposé par Kinoa. Si vous aimez mon contenu, n'oubliez pas de liker, partager, commenter. Si vous pouvez utiliser mon code créateur, et abonnez-vous. Allez, c'est parti! Vous allez vous retrouver coincé dans un village viking. Vous devez réussir à vous en échapper le plus vite possible jusqu'à atteindre votre drakkar. Quoi le drakkar? C'est le bateau viking. Ok. On apprend tous les jours. Après, elle a la gueule ouverte avec des yeux à l'intérieur. Non, c'est un hameçon, Kunen. Ouais, ça ressemble plus à un œil. Hein. Ces fenêtres sont des barricades. Trouvons le bouton qui fera. Okay. Okay, il est juste tapé dessus, ça fait le texte en plus gros. Du coup, faut trouver un bouton. Attends, tiens. Regarde, je suis sûr, c'est ça. On parie. Vas-y, appuie. C'est trop. Il y a une cible. Et elle est trop petite pour être inutile, genre. Non. Je sais pas. I don't know. Ah bah non. Moi j'ai bien envie de rigoler, c'est si tu te trompes. Ah, il est là le bouton. Explosion des barricades. Voilà. Tu t'es trompé. Attends, il était où le bouton? Derrière le lit, il y avait un petit tonneau. Ah lol. Ah là là. J'adore les explications de Buffy. Je sais pas, je trouvais ça logique. Oui, mais ça ne l'était point. Wesh, j'ai sauté sur toi. Les vikings adorent le poisson. Mais rentre dans la fenêtre, non? Mais non. Ah, les vikings adorent le poisson. Bah, les poissons qu'on a vu au début. Dis qu'il y avait un truc dedans. Attends. Va être sur le tien. Ah, celui-là peut-être. Peut-être. Let's go! Nice! Ok, la porte est ouverte. Hop là! Cet endroit cache un passage invisible. Quoi? Il a fini le texte! Non mais attends, que finirez-vous? Ah attends. Cet endroit cache un passage invisible. Que finirez-vous? Bon, je le fais! Je le fais! Allez, c'est bon! Cet endroit cache un passage invisible. Que finirez-vous par trouver à force de vous balader? Ouais. Bon, il s'est foiré, c'est vrai. Mais il veut dire qu'on va le finir par le trouver. Ouais, mais tu vois, le texte, il est un peu... Ok, s'il y a un truc invisible, c'est peut-être... C'est un trou, moi, j'imaginais un trou. Ouais. Ou alors... Je pense pas que c'est un truc où il faut sortir. Hein. Mais moi, je sors. Attends, peut-être si j'ai... On peut pas allumer le feu? On reste. Allumer le feu. Imagine. Non mais imagine, il y a... Ah bah voilà, je l'ai trouvé. J'aurais d'imaginer, moi j'imagine pas, je fais. Ouais, bien joué. Une petite torche, ça fait plaisir. Moi chacun un chemin. Vas-y, je prends à droite. Ah putain, c'est un labyrinthe. Ouais. Oh, un joli cul-de-sac. Ah, allez, j'ai un bouton. Ouvrez le... Ouverture du passage. Nice. Ok, maintenant le but c'est de revenir aussi. Attends, parce que moi je me suis perdu. Voilà, c'est ça. Et clairement, là je suis... Attends, peut-être que je vais te retrouver. Ah, j'ai trouvé, je crois. Oh, shit. Mais en fait, faut aller où? Faut aller derrière ou devant? Des travaux. Trouvons comment ouvrir ce passage. Attends, c'est toi ou c'est moi? Je sais pas. Parce que moi j'ai un... Non, c'est moi. Parce que j'ai un panneau avec une pioche. Ah, j'ai entendu un petit bruit. Voilà. Ah, je vois ton panneau. Ah, voilà, continue. Ok. On va devoir collecter des trucs, mais j'ai pas vu c'est quoi encore. Ok, s'il y a un truc. C'est quoi le swing-swing? Ok, swing-swing. Ah oui, c'est ici. Mais je vois pas c'est quoi. Ah. Je vais aller voir. Ah, j'ai raté le son. Un poisson. Ouais. Attends, là, il y a un passage. Peut-être trouver une canne à pêche, c'est tout. Nous ne pouvons pas monter. Trouvons le bouton pour rendre ce passage accessible. Et ça serait pas dans les mamelles du dinosaure. C'est bizarre. C'est jamais, hein. Quoi? Manger. On peut pas manger une cabine de toilette. J'ai trouvé le bouton. Nice, il est où? En haut? Ouais, activation.
du passage. Nice. Un nouvel accès est possible. Ok. Ça donne quoi, un poisson? Oui. Ok, j'ai le poiscaille. Nice. Non. Ah, comment ça? C'est toi qui l'as pris? Non, non, c'est toi qui as le poisson. Bah. Ils me disent. Attends, mais ouais. T'as ouvert la porte, ça se trouve. Va voir la porte. Ah oui. Et toujours, il va se faire avoir par ça. J'avoue. Qu'il a donné le poisson, il va donner encore un autre. On est dans le bar des Vikings. Des ouf. Ils veulent quoi dans le bar? Ils veulent qu'on ramène de la bière ou ça se passe comment? Cette porte est verrouillée. Les Vikings sont. Il ne faut pas aller. Sinon, ils vont tous. Sinon, ils vont vous. Ok. En fait, c'est des énigmes. Genre, les Vikings sont. Faut trouver quelque chose. Il ne faut pas les. Faut trouver quelque chose. Sinon, ils vont vous. Faut trouver quelque chose. Les Vikings sont méchants. Ils vont vous tuer. Attends, j'ai les réponses. Attends. Trouvons les mots manquants pour déverrouiller la porte de la terrasse. Alors, les Vikings sont forts, courageux, musclés ou mignons. Je dirais courageux ou fort. Mais je dirais mignon. Attends, déjà, comment t'es venu là? Je sais pas, il y a un tapis. Ici, là. Piti, 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 piti. Mais moi, j'étais allé sur le tapis, moi. Bah, t'es mal tombé. Ok. Du coup, les Vikings sont forts, ouais. Courageux, non. Musclés. Moi, je dirais fort. Hein. Moi, je dirais courageux. Je pense pas. Mais c'est bizarre, c'est un peu chiant, c'est qu'on n'entend pas si on s'est trompé. Comment on monte sur ce petit tonneau de merde, là? Comme ça? Ouais, tu prenais toute la place. C'est pour ça que j'arrivais pas. Non, mais je pense pas, hein. Non, bah non. Ils ont dit ça va nous ouvrir la porte de la terrasse. T'as une porte ou un truc comme ça? Oui, elle est là. Ok, j'avais pas vu. Ah, c'est bon, j'ai les mots. Nice. J'ai courageux. Ok, attends. Ils sont courageux. Ok, j'en ai trouvé un. Ah, c'est tout? Tu m'as dit j'ai les mots, du coup j'ai pensé que t'avais tout. Oui, mais je pensais qu'il y aurait eu les autres à côté, mais non. Ok, bah attends. Du coup, ils sont vraiment cachés quelque part. Ouais. Aïe. Ah, mais dans les mots, dans les toilettes, là. Manger! Ah, ils sont plus bas? Oui, manger! Oui, j'avais trouvé le mot manger. Bah oui, dans tes toilettes, du coup, il nous en manque un. Courageux, manger. Bon, on peut tenter maintenant, il en manque un. Courageux. Chatouiller, manger. C'est go. Ah. Du coup, c'était chatouiller. Bravo, les Vikings sont courageux. Il ne faut pas les chatouiller et ils vont vous manger. Let's go. Sinon, ils vont vous manger. Pour cette nouvelle étape, deux pièces sont identiques à une différence près. À vous de les trouver. Ok. Ça c'est pour toi. Ça, c'est l'épreuve pour toi. Ça. Ah, c'est chiant, les bouteilles. Alors, ça commence par une verre, ça finit par une verre. Ah, toi ça finit par. C'est fini par blanc, moi. Moi, ça finit par vert. Voilà, tu vois, c'était facile. Fallait commencer par le début et finir direct sur la fin, pas faire le milieu. Let's go, baby. C'était pas compliqué. Bienvenue au plein centre du village viking. Un passage secret est caché quelque part dans ces maisons. Bon courage. Allez, il est là le passage. Non. T'aurais trouvé, j'aurais que ça. Attends, dans ces maisons, ils ont dit? Ouais, ces maisons, il y en a plusieurs. Attends, je vais chercher en bas, faut pas chercher en haut. Bon, si. Attends, en bas, je vais chercher en haut. Et c'est là! Let's go, j'avais raison. C'était sûr en fait, c'était sûr. Putain, tu sais que j'ai cherché sur le truc juste à côté et après j'ai abandonné. Attends, je suis où là? Tu t'es téléporté. C'est pas un jeu de hasard. Sans le vouloir. Attends, mais t'as pas lu le reste? Mais j'ai avancé pour essayer de lire le reste et. Ok, ce n'est pas un jeu de hasard, il faut simplement être attentif au départ. Ça rime. Pas mal. Welcome. Welcome to the game. Ok, alors ça c'est le welcome. Wow! What? J'ai gagné! Déjà? Ouais. T'as été où? Aucune idée, hein. C'est pas un jeu de hasard, mais moi je l'ai fait au hasard. Réussissez à atteindre la pièce qui se trouve au sommet du mât. Attends-moi, ça doit être la fin que tu dois être. Mais je sais pas où t'es passé. Mais j'ai fait des allers-retours en fait. Bah c'est ça le problème. Je pense que je tiens la défaite. Ok.
Ok, j'ai réussi, je pas voulu le faire. Ah mais... putain, ah, moi je m'en bats les couilles de la pièce. Ah bah GG. Quoi? Oui, c'est la fin ça? Oui, mais il y a la pièce là-haut là. Oh my god. Pourquoi elle est aussi haute? Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu en compagnie de Dopido. C'était Bofi, même chaîne, même présentateur et même bonheur. Bye bye!